Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que j'ai un tout petit peu regretté quand même. Je me suis posé une question simple, quel était le Minecraft le plus réaliste au monde? Et j'ai fait quelque chose de marrant et je me suis dit que j'allais installer tous les mods réalistes de Minecraft. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir si mon PC arrive à supporter les conneries que je fais sur Minecraft et pas exploser. Bon, si cette vidéo sort, c'est qu'il a pas explosé, mais vous avez compris le concept. Qu'est-ce que j'ai installé encore? C'est trop réaliste, mon PC il va exploser, wesh. Oh, par contre, c'est abusé, lag. C'est vraiment abusé. C'est donc ça le Minecraft le plus réaliste du monde? Parce que oui, je l'ai créé, mon PC il est en PLS là. Que 40 FPS, c'est abusé. Bon, par contre, je spawn dans un endroit extrêmement nul, mais c'est pas très grave. Si je le casse, il se passe quoi? Ah, ça bug et je suis tombé dans de l'eau. Oh non, c'est être infâme. L'eau est trop stylée, par contre c'est une dinguerie. Et pourquoi j'ai pas de cube et j'ai des faces là? C'est trop bizarre, regardez, il n'y a pas de cube. Je suis dans un monde sans cube. Bon oui, le concept c'est que j'ai installé les meilleurs mods et les... Ça va pas bugger? Oh mon dieu, un peu quand même. Ah, il y a trop de particules. J'ai 2 FPS là, arrêtez s'il vous plaît. Je disais, j'ai installé les meilleurs mods, les meilleurs shaders, les meilleurs ressources pack. Ça m'a coûté 45€, donc s'il vous plaît, likez. En vrai, je sais même pas comment ça se fait que mon PC tourne. Vraiment le giga bordel, regardez comment je freeze. Je déteste la neige et en plus ça m'explose les yeux. On dirait pas vraiment Minecraft, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment pas l'impression de jouer à Minecraft. Les arbres sont très chelous. Ok, le livre s'appelle La quête des trois machins. Oh, ça fait peur, ça fait très peur. Dans ce monde réaliste, tu vas devoir trouver 3 artefacts pour avancer. Un dans les grottes, un dans un village et un dans le nether. Ok, j'ai une semi-quête qui n'est pas vraiment une quête, mais il y a des artefacts à trouver. Ça peut être que bien, non? Il y a pas de cube là, ça me dérange fortement et les grottes vont être horribles. Mais bon, hein, j'ai essayé pour ça, ça va être marrant. Ok, la deuxième page. Pour la première chose à trouver, dirige-toi dans les grottes pour chercher un mineshaft pas très loin du spawn. D'accord. Bah, je vais faire mes outils, on va aller dans les grottes direct. Hein. Oh mon dieu, vous êtes prêts? Je vais poser une table ultra réaliste. Paf! En vrai, elle a un petit style quand même. Alors, le texture pack que j'utilise s'appelle Patrick's. Et pas Patrick, hein, bien sûr. Et pour vous dire, c'est le texture pack le plus gourmand du monde. Hein. Voilà, je déconne pas. C'est pour ça que mon jeu ressemble vraiment à, je sais pas moi, un truc extrêmement réaliste. Et c'est le texture pack qui me consomme le plus de ressources. Hein. C'est même pas les mods que j'ai installés. Hein. Récupérer de la pierre. Est-ce que je mine de la pierre? Je sais même pas si je mine de la pierre là. C'est trop bizarre, Minecraft sans cube. Et en plus, vu qu'il y a de la physique réaliste, quand je casse un bloc, ça casse tout ce qu'il y a au-dessus, là. Ah, des blocs me tombent dessus! S'il vous plaît, je veux juste de la pierre. Ok, nickel, c'est bon, j'en ai plein. Trop bizarre, ça a fait un vrai trou chelou, comme les vrais trous basiques. Je pourrais pas H24 jouer à ça, mais jouer un peu avec ça, je trouve ça marrant. Me fais ma pioche et ma hache, comme ça, on est bien. On va pouvoir commencer à aller dans les mines. J'aimerais bien trouver une entrée de mine basique, et dans tous les cas, je dois retourner au spawn qui est là-bas, là. Donc on va y aller. Bon, on fait un pari ou pas? À votre avis, est-ce qu'on peut, ça va exploser? Je pense sincèrement qu'il va pas être bien à la fin de la vidéo. Hein. Attendez, c'est pas une entrée de grotte, ça? J'ai peur de casser et de... Oh, bon. Voilà pourquoi j'ai peur de casser. Et wesh, ça vient de me creuser un trou entier, c'est abusé. Terrifiant, il y a des boules de neige. Wow. Oh là, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, moi. C'est giga terrifiant. Allez, à l'intérieur, moi, je vais voir. Oh là, oh, il y a de la lave. Oh, ah, mes yeux, ah, il y a un zombie. Vous l'avez entendu, le zombie? Il me faut une torche, il me faut une torche. Oh, parfait, j'ai ramassé du charbon. Ok, alors attendez. Terrifiant, Minecraft réaliste, wesh. Oh, je tiens la torche comme ça, c'est trop stylé. On va la mettre dans ma deuxième main, ok. Bon les gens, c'est l'heure de partir en expédition, hein. Terrifiant, mais ça fait très réaliste, j'aime beaucoup. La lave, on dirait vraiment de la vraie lave, j'adore, c'est incroyable. J'ai un peu peur là, je vais pas vous dire que j'ai peur. Pas habitué à des caves comme ça là, je suis terrifié, bordel de merde. Trouver un petit peu de fer, il faudrait trouver le mineshaft en fait. Je suis vraiment à côté du spawn, donc ça devrait être par ici. Ah, ça casse tout, j'avais oublié. Putain, c'est super dangereux. Cassie, regardez, ça casse tout là, chaque fois là. Y a pas un petit peu de fer? Je vais tomber sur un monstre, je vais hurler. Y a des creepers là-bas. Ah, regardez, il est juste là. Il vient de s'exploser la gueule. Mais attendez, pourquoi il est pas venu? Tiens, ça dégage, moi je vous fume les creepers là. Et paf. C'est son cadavre, regardez. Je peux jouer avec son cadavre, ça me termine. Ouais, je bouffon, loser. Hop là. Ah oui, d'accord, avec les os qui tombent, c'est trop réaliste. Voilà, tu meurs. Et hop, je joue avec ton cadavre. Bon, on s'amuse, mais je trouve pas le mineshaft là, hein. Donc je vais descendre. Par ici, je sens bien, ça descend de fou furieux. Oui, let's go, c'est le mineshaft. Okay, alors là, on est plutôt bien, mais c'est extrêmement flippant. Ouais, les toiles d'araignée et tout. C'est trop bien fou. Il faut que je trouve quoi ici? Faut que je trouve un coffre, je suppose. Hein, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Il y a des zombies. J'ai peur. Putain, je tourne à 40 FPS. Ça me fait chier aussi, ça. Mais c'est pas grave, je suis obligé. Les monstres, si vous entendez, faites gaffe, je peux hurler très fort. Ça fait mal aux oreilles. Ok, on va tracer un peu. Faut vraiment que j'arrive à trouver les coffres ici, là. Oh là, il y a du gravier juste au-dessus. Faut que je fasse attention. Rien du tout. Oh, c'est terrifiant. On dirait une. Je sais pas moi, un jeu d'horreur, là, juste devant moi, là. Je vais pas y aller. Vous savez quoi, je vais me faire ça. C'est quoi cette merde là? C'est un bloc de terre ça? Ah, ça prend la forme de ce que je pose, c'est incroyable. Ok, parfait. Ok, dis-moi que c'est lui, s'il vous plaît. Oui, il y a un truc. Mais attendez, c'est ça que je dois trouver. Mais il est totalement fumé le. Mais j'ai même pas de flèche en plus, mais il est totalement fumé. Bon, je sais pas si c'est ça que je vais trouver, mais je suis quand même content. C'est-à-dire que je vais pouvoir partir de là et c'est trop bien. Regardez, ça fait l'animation quand je mange. Il y a le truc qui disparaît en même temps, c'est trop stylé. Ok, on va pouvoir remonter. Heureusement que j'ai presque pas miné pour pouvoir venir ici, donc on va partir comme ça. Hein.
Oh mon dieu, je suis terrifié, je vois rien du tout. J'ai vu la flèche arriver, oh putain. Ah là, venez pas, vous approchez pas, vous approchez pas. Je suis terrifié, j'ai juré. On va tout casser, j'en ai rien à faire. On remonte comme ça. Même si ça bug, c'est la meilleure strat pour remonter. Oh, il fait nuit, mais je suis dehors. Oh, mais c'est terrifiant. Comment je fais, moi? Je vois rien du tout. Ah non, mais j'aime pas du tout. Je savais pas que j'avais installé un truc horrifique. Wesh, comment je fais? Je suis dans la giga merde. Oh, il y a des yeux là-bas. C'est quoi, c'est un Underman? Ok, bon, attendez. Là, on arrête de déconner. Je voulais pas un truc horreur. J'ai peur. C'est quoi ça? Ah, c'est de la lave, j'ai le seum. Ok. Bon bah on se barre hein, allez ciao, t'as plus. Tourner sur l'île du début là, il pleut. Abuser la qualité aussi de la pluie. Genre on dirait vraiment bah il fait pas beau. Ouais je sais pas quoi dire, je suis sous pression là, la nuit d'avant elle m'a fait flipper. Ok je vais faire cuire tout ça. Hop là j'ai fait 2 fours, ça devrait aller. Oh même les fours ils sont trop stylés ouais. Waouh comment ça brûle, c'est trop bien. Vous vous rendez pas compte hein, mais je trouve ça beaucoup trop stylé hein. Si je regarde mon livre incroyable mais magique. Le village, dans ce village tu trouveras ton bonheur là où les gens cachent des aiguilles. Alors là j'ai rien capté mais il faut que je trouve un village et ça c'est cool. On va attendre que tout ça chauffe et après on va aller chercher un village hein. Ou alors non je vais passer par l'eau tiens ouais j'ai envie de voir l'eau aussi donc je vais passer par l'eau. Avant on récupère tout ça, hop et direction, waouh. Attendez j'ai juste envie de le refaire pour le kiff. Quand ça se casse c'est abusément trop stylé hein. Allez direction la mer, on va aller chercher ça tranquillement. Bon là il y a que de la mer à perte de vue depuis tout à l'heure mais j'y crois. Ça m'extermine parce que le bateau il fait un peu effet rouille. Je peux pas aller voir dans l'eau et je sais pas. Oh c'est pas si beau que ça en vrai. Je trouve ça ok tiers, c'est beau mais sans plus. Oh mon bateau est dégueulasse. Regardez il est rempli de je sais pas moi. Oh bah attendez terre en vue. Oh village en vue en plus sur la terre, let's go. Oh aussi on va faire un truc parce que je commence à en avoir marre là. Et on va appuyer sur cette touche. Boum. C'est bon il y a des cubes. Oh j'en avais marre que tout soit rond là, c'était chiant. Ah oui mais là en fait j'avais pas vu, il y a des textures encore plus réalistes. Il y a des trèfles sur les blocs de terre. Oh, les cultures et tout, mais wesh. Ah ouais, là, ils ont abusé aussi, là, je ne comprends pas, voyons. Bonjour, monsieur, ça va? Oh, let's go, lui aussi, il est animé, salut. Regardez ses sourcils quand je le tape. Ça me termine bon. Un village très stylé, je valide de fou. Ah, mais même l'intérieur et tout. Ok, je dors. Alors, dans ce village, il y a le deuxième truc. D'ailleurs, j'ai trouvé une flèche, donc mon arc est fonctionnel. Frérot, bouge pas. Je l'ai one shot, c'était sûr et certain. Hein. On va relire le livre parce que j'ai rien compris. Hein, voilà, je vais pas vous mentir que voilà. Dans ce village, tu trouveras ton bonheur là où les gens cachent des aiguilles. Aiguilles, bottes de foin, aiguilles. En gros, je dois taper de la paille. Allez, à mort la paille là. En plus, ça va bugger là. Il va faire nuit, je vais dormir aussi en vrai. Là, je suis un peu deg parce que j'ai détruit tous les trucs de paille et j'ai pas trouvé l'artefact. Comment je fais moi? Mais attendez, je. Salut les potes. Putain, ta gueule, c'est gratuit. Non, sans déconner, je fais comment? J'ai pas trouvé les trucs de paille moi. Hein. Je vais peut-être fouiller des maisons. Je vais prendre ce lit aussi d'ailleurs. Il y a encore de la paille, ok. Oh, il y a des trous ici. Oh, il y a un coffre caché. Oh, je viens de comprendre, tu es vraiment un gros débile. En gros, c'est comme l'aiguille cachée. Oh, le plan ici est trop stylé. Regardez ça. Si là, je mettais une musique relaxante, ça serait parfait. Bon, c'est pas grave. Il y a quoi dans ce coffre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un stuff. Casque de steampunk. Le stuff steampunk. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être incroyable. Waouh. Ouais, mais attendez. Même le stuff est réaliste. J'ai des petits engrenages qui tournent autour de moi. C'est trop stylé. Je vais juste. Ouais, mais j'ai récolté autant de fer pour rien du tout. J'ai un peu le seum, mais tranquille. Voilà, on s'est fait du pain. Nickel. Ça me termine. J'ai même une petite cape et tout. Bonjour messieurs, il n'y a plus votre golem, je peux vous martyriser comme je veux. Oh mais c'est abusé. Regardez le verre, ça fait comme si j'étais dans un truc bah, d'église. Oh merde, j'ai pété l'église mais tranquille. Tout est beaucoup trop stylé pour moi, hein. J'adore, hein. J'apprécie énormément hein. Bon et si on est dans le désert? Et vu que je suis un gros flemmard, juste derrière moi, paf, il y a un portail du désert qui a spawn. Hop là, vous avez vu, ça c'est la magie du montage. Très hâte d'aller dans le désert, déjà on l'allume. Ouais c'est bof en vrai, c'est pas si impressionnant que ça. On va voir ce que ça fait. Non non par contre ne crache pas. Oh j'ai eu peur que ça crache. Oh what the fuck. Attendez il me faut une torche. Fuck, c'est quoi ce désert? Oh le sol est dégoûtant. C'est giga stylé en fait. Regardez les reflets du sol, c'est abusé. Si je vais vers la lave genre salut. La lave elle fait vraiment très réaliste hein. C'est trop bien foutu en fait. Je vais lire le livre parce que je devais aller dans le nether mais je sais pas ce que je vais y faire. Le nether, trouve un bastion, j'ai la flemme. D'accord, bon bah c'est facile, vas-y. Et là-bas, c'est pas un bastion d'ailleurs qu'il y a là? Ah non, c'est une forteresse. Fuck, j'ai le seum, aïe. Oh non, ça veut dire qu'il faut que je trouve un bastion quand même, alors qu'il y a une forteresse juste à côté. Bah, c'est parti pour la recherche du bastion dans le nether qui est un petit peu terrifiant, mais qui ne l'est pas trop. Ok, bon bah allez, on va aller chercher un bastion. Comme vous pouvez voir, c'est giga terrifiant là où je suis. Terrifiant, regardez, on dirait un truc alien, genre. Après, ça fait très réaliste, hein, on va pas mentir. Hein. Mais les biomes rouges, et, il est pas beau. Bon, attendez, je vais vous parler de ça, mais je vais vous montrer un truc. Pas un bastion, ce qu'il y a juste devant nous là. Oui, c'est un bastion, ok. Oh, le cochon à la con là. Ça dégage, merci. Il est mort comme une merde, voilà, je tiens à le dire. Salut monsieur. Il veut un coup de flèche dans la gueule. Ok, là-dedans, il y a un coffre qui a mon amélioration. Pas ce que c'est, mais on va trouver ça vite fait, hein, je pense. Mon dieu, pourquoi j'ai cassé un bloc? Faut pas que je casse de bloc, je freeze. Note à moi-même, ne pas casser de bloc.
Waouh, comment je l'ai fumé. Ok, note à moi-même, abuser de mon arc. Mourez, mourez. Toi là-bas, je t'ai vu. Hop, ça dégage. Toi, celui qui est en dessous. Ça dégage aussi. Je pense que c'est ce coffre au milieu, on va y aller tranquillement. Ok, ok, on est bien là. Là, on est bien là. C'est bon, il y a pas de... Ah, il y en a un là. C'est bon, je l'ai eu. Espèce de sale loser, va. Ok, il y a quoi là-dedans là? Ah, bah, c'est clairement ça. Hein. C'est clairement pour les yeux de laine. Hein. Il y a même un disque. Et une épée enchante, je la prends parce que, bah, j'ai une hache. Ok, on peut se barrer de là. Je répète, je me casse de ce trou à rat terrifiant. J'ai envie de tester un truc, même si je devrais pas, si je casse ça. Oh, mon dieu, mon dieu. Oh, j'ai un giga freeze. Ah, je fuis, je me casse. On va gentiment partir d'ici. On va retourner à mon portail extrêmement terrifiant. Si j'arrive à retrouver mon portail, hein, parce que je suis un peu perdu là, non? Alors, mon portail est juste à côté. De loin, on voyait pas. Oui, c'est mon portail. Hop, bonjour, je me casse de là, à plus le nether. S'il te plaît, pas de crash, pas de crash, pas de crash. Oh, c'est bon, il a pas crash. Et il fait nuit, mais je m'en fous, je suis rentré à la maison. Ok, on va aller dormir et après on va pouvoir aller affronter l'Under Dragon. Ok, il fait beau, il fait chaud. Allons fumer l'Under Dragon. Les yeux de l'Under, si j'en lance un, ça me mène par là-bas. Nickel. Under Dragon, ton sort est scellé, j'ai un arc cheaté. Je pense que je le one-shot en un coup. On va tester, mais je crois que je le one-shot en un coup. Alors, je suis arrivé ici. Si je dis pas de conneries, c'est là. Regardez les yeux. Oh mon dieu, oui, c'est carrément ici. Il y a un cadavre d'œil. Il y a un cadavre d'œil ici. Alors, j'ai vu qu'il y avait un trou là. On va passer par là, c'est parfait. On équipe la petite torche et on y va. Bonjour. Bah, je vais miner comme ça. Voilà. Et personne va rien me dire. Oh, attendez. Pour la fin, j'ai envie de changer de shader. J'ai envie de mettre un shader beaucoup moins violent parce que mon PC il va mourir sinon. J'avais donc le sus. Là, on va mettre le complementary shader. Ça va être beaucoup moins violent. Oh, ah ouais, c'est. C'est beaucoup moins réaliste d'un coup. Non, en vrai, c'est beaucoup moins réaliste, mais. Je vais beaucoup moins bugger. C'est pas moche non plus, c'est juste moins réaliste. Au moins pour l'end, parce que sinon je vais vraiment galérer en fait. Déjà, direction le Stronghold, pour le trouver, ça va être super chiant. Ah ah ah, j'entends des silverfish. Et je vois des silverfish, regardez, je suis en dessous, il y a des silverfish. C'est bon, je suis au bon endroit là. Oh putain. Ah. Ah, c'est terrifiant. Lâchez-moi, tout bug, y'a tout qui bug. Oh, infâme aussi, les spawners là, qu'est-ce que tu veux toi? Dégage, arrête de me taper. Ok, on va pouvoir mettre les yeux. Oh, ils sont trop stylés les yeux. Oh, le portail est stylé, je valide. Manger un petit peu de pain quand même avant. Voilà, nickel. Parti. Waouh, l'end est incroyablement beau, j'adore. Ce que j'aime moins, c'est que je veux Dwarf Bridge. Allez, j'y suis presque. Ok, c'est bon. Under Dragon, j'arrive te détruire. En vrai, de vrai. A votre avis, si je tire dessus avec l'arc, il meurt ou pas? Oh mon dieu, hyper midlife. Ok, d'accord, je m'y attendais pas du tout. C'est la fin pour toi. Ah, j'ai loupé. Putain, je vois rien, j'arrive pas à viser avec ces trucs. C'est la fin pour toi, frérot, faut mourir là. Bah, y'a mes mains qui sont devant ma tête. Vite, on le fume. Un dernier coup. Boum. Oh. Jamais. Ah, ça me fume. Le cadavre, il a pop. J'avais oublié que ça faisait ça. Ouh, on a fini Minecraft en ultra réaliste. Ma money donc, jiggle. It fold. I like to see you wiggle, for sure. It make me want to invite you more, you know. Riding my Fiat, we have Fiat 6 feet 2 in a compact.